Je m'appelle Angélique, j'ai 29 ans. Donc de 2004 à 2007, je vivais aux États-Unis. Là-bas, mon rêve, c'était de poser pour Playboy. Donc j'ai passé le casting et que j'ai réussi. Et je suis devenue Playmate. Et à partir de là, ben, je suis devenue modèle de charme professionnel. Je suis rentrée en France. J'ai posé pour New Look dans le numéro 300 anniversaire qui avait été collector. Les 25 filles les plus sexy du sud de la France. Ensuite, on m'a proposé qui veut épouser mon fils, la télé-réalité de TF1, auquel j'ai participé. Voilà, je n'ai pas du tout trouvé l'homme de ma vie, mais ça m'a permis de faire beaucoup d'autres choses. J'ai choisi d'associer mon image à celle de Leg Avenue parce que c'est une marque, parce que c'est très glamour, très féminin, très près du corps, mais que je suis modèle de charme, donc j'adore poser avec de la lingerie, déjà un qui soit très près du corps parce que je suis très mince, donc des matières nobles, de qualité et très sexy. Vraiment basé charme, érotique, c'est très transparent, il joue sur les découpes, la matière, la couleur et c'est vraiment quelque chose de très agréable à porter. Je dirais aux femmes qu'elles soient minces, beaucoup plus pulpeuses, qu'elles trouveront dans Leg Avenue tous les vêtements qui permettront de mettre leur forme en valeur. En trois mots, Leg Avenue, je dirais que c'est sexy, glamour et au niveau qualité, la haute couture de la lingerie.